Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de cette chaîne box de juin. On est au mois de juin, il fait chaud. Alors, gros colis, bizarre d'ailleurs, mais on vous ouvre ça, parce qu'à ce qu'il paraît, il y a un petit truc nouveau. Allez, alors on fait attention, il y a un truc qui est mou. Alors un choco mou, un choco bon, je sais pas. Franchement, j'ai peur de l'éventrer. Oula, 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 j'ai bien fait d'y aller doucement. Oh mais attends, c'est un truc énorme en fait. What the... Non, alors là... Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Mais c'est abus... Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Une peluche, oui. Voilà, voilà, ça commence génial. Déjà, chaîne box avec une peluche, quoi. Vous avez vu derrière, voilà. J'adore Yugi. J'adore Yugi Muto. J'aime beaucoup le personnage de Yugi. Ça va aller derrière. Je vous le dis tout de suite, ça va aller là. Alors, est-ce qu'on va laisser emballer ou pas? Dites-moi si je laisse comme ça ou si je le sors pour qu'il respire. Et nous avons la chaîne box. Voilà, la chaîne box. Alors, effectivement, Sharon m'avait prévenu, m'avait dit attention. Quand tu vas ouvrir, je vais chercher mon endroit où mettre le ciseau. Quand tu vas ouvrir la boîte, ouvre bien le sachet en vidéo. Eh bien oui, puisque ben dedans il y a mine de rien une magnifique peluche Yami Yugi. Donc rien que ça, déjà ça commence. Attention, le niveau est très haut. Le niveau est très haut. N'hésitez pas pour commander une chaîne box. Rendez-vous sur chainebox.fr. T'attends pas, tu vas, tu cliques, t'achètes, tu vas là-bas. Voilà, t'as compris? T'as toujours pas compris? Clique. Allez, alors, on l'ouvre. Hop, on sort ce qu'il y a là. Alors, je me demande qu'est-ce qu'on va avoir comme booster dedans. Non, je plaisante. Évidemment qu'on va avoir des boosters les derniers sortis, comme chaque fois. Et alors, une magnifique deckbox, hein, ultra pro, voilà. Une de plus, c'est cool. On a toujours besoin d'une deckbox. Une Field Center. Alors, c'est Ogre Phantom, je crois celle-ci, si je dis pas de bêtises. C'est une officielle Konami. C'est un produit officiel Konami. Donc voilà, une magnifique Field Center qui s'ajoute. Les collections de Field Center, ça se fait de plus en plus. Donc c'est vraiment génial. Bah, deux boosters foudre amplifiés. Logique. Des sleeves. Mais oui, des sleeves, c'est pareil. On en a toujours besoin. Sleeve et deckbox. Franchement, c'est la base. C'est le kit de démarrage de l'heure Yu-Gi-Oh! Et pour terminer, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est quoi ça? En français. Objet de collection destiné aux 14 ans et plus. Ce produit n'est pas un jouet fabriqué en France. C'est un présentoir de ce que je vois derrière. C'est un présentoir en verre. Ok, c'est cool. C'est un produit pareil. C'est numéro 36. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est 36 sur plusieurs éditions ou c'est le 36e produit? Ça, je sais jamais. Mais c'est grave cool. Je connaissais même pas. C'est super original. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup. Parce que bah, j'aime bien ce genre de produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Autre chose que des cartes, il n'y a pas que les cartes dans Yu-Gi-Oh, il y a tout ce qui englobe autour. Dont les peluches. Ouais, aujourd'hui par contre je suis full Crash Bandicoot. Hein, donc voilà. Bon, les boosters, foudre amplifiée. Allez, on s'ouvre ça. On s'ouvre ça. Roulement de tambour, hop. Allez, dedans il y a des petites secrètes. J'ai réussi à en avoir une bien en commandant mes boosters sur Chainbox. On va voir ce qu'on va voir. Bah non, c'est la scie d'ouverture quoi. Alors, on a, bah, pff, je lis même pas lu la carte, c'est du Patrol, mine d'étoile, ZW Pegasus qu'on a eu déjà plein de fois dans les autres. Oh, enfin j'ai la petite loutre Otoshimadashi. Non, bah, attendez, je vais essayer de le lire correctement. Otoshidamashi. Oh, bah si, j'étais pas loin. Force de Zexal, magie en plus. Attraction étonnante, course rapide. Épéiste binaire. Naissance de la flamme prominente. Et un par un. Attendez, mais j'ai même pas eu une seule qui brille là-dedans. Ah si, la puissance exhale. Ok, super. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là. On va avoir peut-être plus de chance sur le deuxième booster. Je rigole si je sors une deuxième secrète qui coûte la blind. Alors, let's go. À nouveau le paléozoïque. J'ai eu en plein d'exemplaires, c'est pour ça que je dis à nouveau. Bujin Moitotsu. Jin Céleste Sirel. Âme du monde de carbone, celle-ci, je crois que je ne l'avais pas eu. Oh, Mysterion, le dragon couronne. Ah, il est beau. Il est super beau. Il est super beau. Bujin Candescence. Attraction étonnante, roue merveilleuse. Attraction étonnante, manège majestueux. Et Alliance Zexal. Bon, on a quand même eu la petite fusion, là. Je ne crois pas qu'elle coûte beaucoup de mémoire. Mais c'est pas mal, parce que je ne l'avais pas. Donc, à partir du moment où je ne l'ai pas, bah, je suis content. Sur ce, j'espère vraiment que cette ouverture de Chainbox vous a plu, parce que bah moi, à titre personnel, c'est un énorme coup de cœur là pour le coup. Je veux dire, voilà,
Yugi. Bon, après, il est en version chibi. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est chibi. Ah, c'est banco. En plus, on est bientôt mon anniversaire. Pour moi, j'estime que c'est un magnifique cadeau d'anniversaire. Franchement, la peluche, voilà. Juste la peluche banco. Ça coûte en plus assez cher, les peluches Yu-Gi-Oh! Donc là, Shenbox a fait un énorme effort. Et rien que pour ça, allez vous abonner sur Instagram. Si à la rigueur vous voulez pas acheter sur Shenbox, allez voir sur Instagram. Elle propose plein de contenus, c'est sympa. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à avoir des ouvertures de Shenbox. On en fait tous les mois, des ouvertures de boosters et plein d'autres choses. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu si cette ouverture vous a plu en commentaire le produit que vous avez préféré. À savoir que moi, c'est. Ça!